nos enquêtes génération nous permettent de suivre pendant les premières années de vie active les cohortes de jeunes qui entrent sur le marché du travail. Et donc nos enquêtes, nous avons commencé à les faire il y a une vingtaine d'années. Donc on a maintenant un certain recul pour observer les modalités d'insertion de ces jeunes sur 5 ans par exemple, depuis une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui la situation est assez hétérogène. À 5 ans, il y a environ quand même 80% des jeunes qui sont en emploi, quel que soit le type d'emploi. Évidemment, ce pourcentage est très variable selon les caractéristiques des jeunes, déjà selon leur niveau de diplôme, selon leurs caractéristiques sociales, selon le fait qu'ils habitent en ZUS ou pas, selon qu'ils sont des hommes ou des femmes, etc. Quand on regarde un petit peu l'évolution sur les 20 dernières années, donc on sait que la conjoncture économique a fortement évolué en 20 ans, et donc les jeunes ont subi de plein fouet, on peut dire, ces variations de conjoncture, et qu'on a sur cette temporalité-là une dégradation générale de l'insertion professionnelle des jeunes. Pour autant, tous n'ont pas subi de la même façon cette dégradation. Les plus diplômés d'entre eux ont vu leur parcours un peu plus se complexifier qu'il y a 20 ans. Pour autant, la majorité d'entre eux sont en emploi, même s'ils accèdent un petit peu moins facilement à cet emploi. Quand ils sont déclassés, parce que le déclassement, c'est-à-dire le fait de ne pas être sur l'emploi auquel on pourrait prétendre par rapport à son propre diplôme, même si ce déclassement est plus fort aujourd'hui qu'hier, bon nombre d'entre eux arrivent à accéder à des fonctions de cadre, par exemple, ou quand ils n'y accèdent pas tout de suite, peuvent avoir un certain rattrapage et devenir cadre après 3 à 5 ans de vie active. En ce qui concerne les non-diplômés, par exemple, ce sont eux qui ont subi le plus fortement la dégradation de la conjoncture économique. Et par exemple, quand on estime que les trois quarts d'une génération aujourd'hui est en emploi 5 ans après leur entrée dans la vie active, ce n'est le cas qu'à peine plus de 40% des jeunes non diplômés. Donc là, on voit que les écarts entre le fait d'avoir de ceux qui ont un diplôme et ceux qui n'en ont pas, les écarts sont considérablement creusés.